Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul action. Je vais vous présenter mes petites trouvailles B du jour. Du coup, je commence tout de suite avec des petits jeux pour les enfants, donc des jeux éducatifs toujours parce qu'on aime bien tout ce qui est éducatif pour les enfants. Donc là, c'est un puzzle de mots, donc dès 5 ans pour apprendre en s'amusant les mots. Donc vous avez à l'intérieur un support, 30 cartes recto verso, 26 lettres, donc ils nous disent, c'est chouette d'apprendre, reconstitue les puzzles et apprends à composer des mots. Donc c'est à partir de 5 ans et c'est une durée d'environ 30 minutes pour un jeu. Et c'était 2,99 €, donc il y avait le bleu. Il y avait également, dès 5 ans, le rouge. Donc celui-ci, c'est puzzle pour apprendre à lire, l'heure. Donc apprendre en s'amusant, toujours pareil. Donc là, c'est pareil, c'est durée de 30 minutes. Et il y a écrit, c'est chouette d'apprendre, reconstitue les puzzles et apprends à lire l'heure. Et du coup, derrière, ça se présente comme ceci. Et la boîte est quand même assez grosse. Donc ça peut faire des petits cadeaux sympas pour les enfants, pour les fêtes ou tout simplement des petites activités à faire avec eux. Donc voilà pour ceci. De la même collection, donc j'ai trouvé pour 1,79 € mais sans premier mot. Donc ça se présente comme ceci. Et là du coup c'est des cartes pour apprendre les mots et c'est dès 1 an. Donc ça c'est pour les petits-petits. Et donc, je les ai pris pour mon petit garçon de 2 ans. Je pense que ça va lui plaire. Donc, c'est des cartes, je pense, assez épaisses. Et vous en avez 100 à l'intérieur. Elles sont comme ceci. Toujours de la même collection. Là, il y avait pas mal de choses dans le rayon jouets pour enfants. Donc, dès 4 ans, il y avait le puzzle de l'alphabet. Donc là, c'est des puzzles. Il faut faire forme les puzzles et apprendre l'alphabet. Ça dure environ 15 minutes et c'est à partir de 4 ans. Donc il se présente comme ceci. Et c'était 1,99 €. Voilà, comme ceci. Alors là, c'est le vert. Et il y avait également pour l'heure. Donc là, c'est dès 5 ans. Et c'est pareil, ça durait d'environ 30 minutes. Et il y a écrit, reconstitue le puzzle et apprends à lire l'heure de manière amusante. Donc voilà. Comment il est. Et ça, j'ai trouvé ça super. Du coup, j'ai pris toute la collection pour que les enfants ils puissent apprendre l'heure, apprendre les lettres, etc. Ça va être marrant. Donc, voilà pour les jeux. Ensuite, au rayon de Noël, j'ai pris pour les animaux des petits cadeaux comme ceci qui étaient à 99 centimes. Donc ça ira avec leurs petites bottes de Noël. Du coup, je leur ai pris à chacun un petit cadeau, un rouge et un vert, et ça fait du bruit. Donc voilà pour les petits chiens. Donc là, c'est bon, ils ont leur petit joujou pour Noël, et c'était super sympa. Et franchement, pour 99 centimes, ça valait grave le coup. Enfin, je leur ai pris des chewing-gum fun, donc des pâtes à mâcher pour les animaux. Donc ça, c'était 79 centimes les barres, et il y en a 20 à l'intérieur. Je leur ai pris ça. Ensuite, une petite déco de Noël, j'ai pris une chaussette en espèce de jute et en feutrine en haut. Et c'était 99 centimes la chaussette de Noël. Du coup, ça va être sympa pour accrocher au niveau de la cheminée. Voilà, elle est super mignonne. Après, vous aviez trois modèles différents. Vous aviez celui avec écrit Merry Christmas et celui avec un renne au milieu. Moi, j'ai pris celui avec les flocons parce que j'ai trouvé qu'elle était super mignonne, cette petite chaussette. Et pour terminer mes achats, j'ai pris un moule en silicone. Donc ça, c'est pareil, c'était au rayon de Noël. Donc c'est un moule en silicone, donc moule à gâteau en forme d'étoile. Et il fait, ils nous disent pas, bon, ils nous disent pas combien il fait. Par contre, il va au maximum 230 degrés, donc ça passe au four et ça passe également au lave-vaisselle. Et il était à 1,99 €. Et ça, pour faire des gâteaux pour le goûter des enfants, j'ai trouvé que ce serait super sympa. Je sais qu'ils le font aussi en sapin, mais là, il n'y était pas. Du coup, peut-être la prochaine fois, parce que j'aurais bien aimé prendre le sapin aussi. Donc voilà. C'est tout pour mes petits achats chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!